Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la dernière sortie, les Puma Future 18.1. Je tiens à remercier Puma, mais en particulier l'attachée de presse Juliette. Cette vidéo se fera en deux étapes. Je vais commencer par faire l'unboxing et en deuxième vidéo, je vais faire le test de ces crampons. Comme c'est une chaîne de freestyle, on va voir si cette paire de crampons peut exprimer son style. Bon, on va commencer à déballer ce colis. Je précise que je découvre en même temps que vous. On peut retrouver deux produits de la même marque Puma, c'est logique. Je vais commencer par le jogging. Le jogging, il est vachement joli, la texture elle est pas mal. Il a l'air très léger pour le foot, même pour le freestyle parce que c'est une chaîne de freestyle avant tout. Il a l'air bien élastique, ça c'est bien pour les tours du monde. Bon, vous savez quoi, on se retrouve sur le terrain, je vais aller tester ce jogging. Allez, c'est parti. Ça y est, je viens de le mettre. Franchement, le jogging est juste énorme, il colle bien à la peau. On peut faire plein de gestes, c'est agréable au porter. Pour l'entraînement, c'est juste un truc de fou. Moi, je vais le porter pour mes entraînements de freestyle. Je vous le conseille. Allez, on passe à l'unboxing des crampons. Comme je vous ai dit, on passe au déballage des crampons Puma Netfit 18.1. Dedans, on peut retrouver deux papiers. Je vais vous le lire, bien évidemment. Hello, la future est réservée à ces joueurs capables de changer la donne en un instant et qui jouent en se fiant à leur instinct. Chez Puma, nous pensons que tu fais partie de ces joueurs-là. Nous sommes donc heureux de te faire parvenir cette paire en exclusivité, elle qui est portée par Antoine Griezmann, Adam Lallana, etc. Si la paire te plaît, n'hésite pas à rejoindre le mouvement avec les mentions suivantes. Je vous mets tous les hashtags ici. On a un deuxième mot. Hello Tony, encore merci à toi pour ta participation au lancement des nouvelles futures. A bientôt Juliette. Merci beaucoup à vous. Bon, on passe au déballage, mais juste avant, il y a juste un truc sur le carton qui est très important. Juste ici, regardez. Comme vous pouvez voir sur cette boîte, il y a un système de lassage personnalisable grâce au pilier pour offrir un lassage agréable et efficace. Maintenant qu'on a vu tout ce qu'il y a dans le carton, on va déballer les crampons. Ils sont juste magnifique, je sais pas ce que vous en pensez. Elles sont très légères, malheureusement vous pouvez pas le sentir car il n'y a pas encore cette fonctionnalité sur YouTube, mais il me tarde de les essayer. Comme vous pouvez le remarquer, il y a un petit filet juste ici, c'est ce qui s'appelle le Netfit, c'est écrit juste là. Sur cette paire, il y a un système de lassage personnalisable grâce au filet pour offrir un lassage agréable et efficace. Il y a également le logo Puma avec sur la languette écrit Future. J'aime bien son dégradé de couleur noire et jaune fluo avec la petite touche de rouge. On peut retrouver une petite chaussette pour bien tenir la cheville durant vos entraînements. Bien évidemment, vous pouvez retrouver les deux produits dans la description, la paire de crampons, mais aussi le jogging. Un grand merci au Stadium 5 Center pour leur accueil. Un grand merci à Olivier qui est derrière la caméra pour les prises de vue. Un grand merci à Puma. On se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera le test des crampons. Si la vidéo t'a plu, tu mets un petit pouce bleu, tu commentes, tu partages. N'oublie pas, exprime ton style et je te dis à la prochaine pour plus de vidéos. Tchuss !